Erika, tu ne devrais pas jouer avec ça. C'est dangereux. Ok. Tu es prête? J'ai rencontré maman il y a très longtemps. Dans un endroit appelé Manoir d'Elfes. Elle était infirmière et moi médecin. La nuit, on se racontait des histoires. Elle me parlait de l'avenir, de choses merveilleuses, des choses qu'elle seule pouvait voir. Je lui parlais alors du passé, d'une grande prêtresse, marquée d'un papillon. Elle pouvait voir le futur à travers les flammes. Je lui disais qu'elle était magique, tout comme la prêtresse. Toi aussi, tu es magique. Mais tu vas devoir le prouver. Choisis une photo. Prends ta préférée.
Maintenant, ferme les yeux. Concentre-toi. Et invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse. Trouve de nouveau ta maman. Voyons si tu peux retrouver ta préférée. Ah, catastrophe. Peu importe, tu es toujours magique pour moi. Elle sera toujours avec toi. Souviens-t'en, même si elle n'est pas là, elle fait partie de toi. Regarder dans les flammes et voir l'avenir. Que penses-tu que tu verrais? C'était pas ta faute. Est-ce que ça va? Thank you.
Mademoiselle Mason? Je suis le sergent Blake. Je mène l'enquête sur cette affaire. Je peux voir ça? Je vous promets de le rendre. Vous dessinez ça souvent? C'est du grec, n'est-ce pas? Un epsilon de Delphes. Comme avec votre père. C'était sur le médaillon aussi. La main appartenait à un homme appelé Akal Johar. Il a travaillé au manoir Delphes. Je pense qu'il l'a visité avec votre père. Mon père travaillait là-bas. Vous saviez qu'il a cofondé le manoir Delphes avec cet homme ? Lucien Flowers. Monsieur Flowers est peut-être aussi une cible. Écoutez, on surveille le manoir Delphes. Question de protection. Je conduirai l'enquête de là. Pour l'heure, c'est l'endroit le plus sûr pour vous. Dû sortir fumé. Attendez ici, je vais voir. Avez-vous trouvé? Je t'ai observé durant toute ta vie. J'attendais. Ton père n'était pas l'homme que tu crois. Suis la musique. Trouve Alody Carter. Vois ce qu'il lui a fait. Découvre qui il était vraiment.
Que vais-je trouver? Si tu ne vas pas voir, tu ne sauras jamais. Trouve Alody Carter. Vois par toi-même.
Erika, je vous ai dit d'attendre. J'ai vu quelque chose. Des filles, elles portaient des masques. Je vérifierai. C'est peut-être pour une thérapie. Bon, allez, rentrons à l'intérieur. D'accord. Rassurez-vous, on va trouver quelqu'un et on va vous installer. Tout va bien se passer. Il faut que j'y aille. Ouais. D'accord. Au revoir. Je suis le sergent Blake. Je vous ai téléphoné. J'ai rendez-vous avec le docteur Ballard. Je ne peux que m'excuser, on est tous un peu nerveux. Sergent Blake, je suis Rosa Ballard. Je suppose que vous connaissez l'inspecteur chef. Chef, voici Erika Mason. Désolé de vous rencontrer dans des circonstances pareilles. Que peut-on faire pour que vous vous sentiez chez vous ? Ça va. Je suis désolée aussi. Venez, je vais vous montrer. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. Je travaillais avec votre père. Je vous surveillais quand vous étiez petit. Vous connaissiez mes parents ? Bien sûr. Votre père m'a appris tout ce que je sais. Et votre mère, elle était incroyable. Une infirmière brillante, si intelligente et si drôle. Voilà. C'est ici. Vous reconnaîtrez peut-être. Monsieur Steinbeck, le responsable de nuit, sera en bas si vous avez besoin de lui. Regarde sous le lit. Oncle Lucien t'a apporté quelque chose. C'est pour t'éviter les ennuis.
Regarde son bras. Elle est comme toi. Choppers, better cook those wrists. Cold blood in my fist, we fire starters. One of them.